seconds to play in the fourth. Shot clock to five. Harden for three, yes! First call for time. Oh, my goodness. If you're Kawhi Leonard, you could not have played James Harden any better. James Harden, one of the starring roles of the Young Guns, the step back three. Shot of the game for Oklahoma City. Maybe the shot of the year. James Harden, look at him. Take a look at the shot clock. Manu Ginobili's going to go for a steal. Harden sees him at the last second. And then the individual brilliance of James Harden. A little shimmy. The pull-up jumper from three. His teammates love it. Spurs had all the momentum. And Harden just sucks the life out of it. Voilà. Voilà tout simplement... ce qu'apportait James Harden à Oklahoma City. James Harden n'est plus un Thunder, mais un Rocket dorénavant. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique sur l'ABE TV, sur Basket Evolution. Ravi de vous retrouver après ces congés et ces longs mois d'absence de la NBA. Il était temps que ça revienne et ça fait vraiment du bien. Et c'est revenu avec cette nouvelle de l'échange de James Harden. Et bien tout simplement cet échange qui a beaucoup fait parler. Donc je vais essayer de faire une analyse peut-être un peu plus à froid, puisque cet échange a surpris beaucoup de monde, et moi le premier. Et ma première réaction a vraiment été l'étonnement, puisque Oklahoma City lâche si près du titre, finalement l'un de ses meilleurs joueurs, si ce n'est pour moi le deuxième joueur le plus important derrière Kevin Durant, et bien il lâche vraiment un très bon joueur au profit donc peut-être pour pouvoir s'améliorer dans le futur. Maintenant, j'aimerais revenir sur le comment on en est arrivé là, le déroulement des négociations avec James Harden dans un premier temps, puis on fera une analyse peut-être un peu plus poussée dans un second pour voir qui sont les gagnants et les perdants de ce trade qui a surpris encore une fois beaucoup de monde. Dans ce sens-là, il me rappelle un petit peu l'échange qui avait eu lieu entre le Jazz et les Nets dans l'acquisition de Deron Williams. Williams s'y attendait pas du tout et il avait appris son transfert à la télévision, comme quoi il était transféré au New Jersey Nets. Donc pareil, puisqu'il refusait de re-signer. Et le Jazz avait pas hésité à appuyer sur la gâchette pour l'envoyer du côté des Nets, en récupérant un peu dans le même type d'échange des tours de draft, plus Derek Favors et Devin Harris. Donc pour pouvoir remplacer Deron Williams. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le cas de James Harden, si ce n'est que Deron Williams était un franchise player, celui d'Utah, alors que James Harden n'était que sixième homme. Et c'est la première fois qu'on voit ça, un sixième homme échangé comme ça et qui va acquérir le statut de franchise player, en tout cas on l'espère pour lui, du côté des Rockets. Alors comment on en est arrivé là, par rapport au déroulement des négociations? Eh bien, on sait que Oklahoma City a négocié donc tout l'été pour re-signer Serge Ibaka puis James Harden. Ils ont mis une grosse pression sur Ibaka. Ils sont parvenus à le faire re-signer pour 48 millions sur 4 ans, donc 12 millions la saison. Certains trouveront ça peut-être un petit peu exagéré. D'autres trouveront que c'est le juste prix. On verra ça par le futur. Maintenant, Ibaka a accepté de revoir ses prétentions à la baisse. Durant avait accepté de lâcher quelques millions, Westbrook avait accepté de lâcher quelques millions, et il a été demandé de faire la même chose à James Harden, mais il a refusé de lâcher ces quelques millions, ce qui est bien dommage. À qui la faute? On essaiera de déterminer un petit peu les responsabilités de chacun. La faute du joueur, de l'encadrement, du propriétaire. Je vais vous donner un petit peu mon sentiment, mon avis là-dessus. Donc, il y a eu plusieurs propositions faites à James Harden qui ont été crescendo. On est passé de 50 millions de dollars sur 4 ans à 52, 53, jusqu'à cette fameuse barre des 55,4 millions de dollars. Dernière proposition en date faite par le general manager Sam Presti. Harden a refusé, son agent également. Il voulait vraiment le maximum. Il savait que certaines équipes étaient prêtes à lui offrir le max lors de l'été prochain, et Oklahoma City a refusé de faire cet effort supplémentaire que demandait James Harden. Sam Presti, toujours dans sa logique,
et bien tout simplement à appuyer sur la gâchette hein, pour l'envoyer du côté des Rockets, l'une des plus mauvaises équipes de la conférence Ouest hein, qui repart vraiment de zéro quasiment. Il lui avait laissé une heure pour se décider. Harden n'a pas donné suite. Et plusieurs offres hein, étaient sur la table de Sam Presti hein, puisque ça couvait depuis pas mal de temps apparemment. Donc il y avait cette offre des Rockets donc avec Kevin Martin, Jeremy Lamb et deux prochains premiers tours de draft plus un troisième second tour. Il y a eu aussi également une approche des Suns hein, qui étaient prêts à le re-signer pour le max, où ils étaient prêts à échanger Gortat, Dunley et Maurice, l'un des jumeaux Maurice pour James Harden. Finalement c'est pas cette option là qui a été retenue. Puis on a aussi entendu parler des Bobcats de Jordan qui voulait faire venir James Harden, mais ils n'avaient pas assez de monnaie d'échange hein, pour pouvoir contenter le Thunder. Voilà. Je voulais revenir un petit peu sur la mentalité de Sam Presti. On a vu que ça lui fait pas peur de faire des échanges hein. Il avait lâché Jeff Green contre Kendrick Perkins pour pouvoir améliorer l'équipe, alors que Green était encore très proche hein, au niveau affectif de Durant et Westbrook, et finalement il a été mis dans la balance pour l'échange de Kendrick Perkins qui a pu ensuite servir à Oklahoma City notamment pour contrer les gros pivots un peu massifs de la conférence Ouest ou les gros ailiers forts. Voilà, d'ailleurs Perkins ne sert qu'à ça en playoff hein. C'est un peu l'arme anti Dwight Howard là pour contrôler les Lakers, donc on verra si Perkins va servir en playoff. Ensuite, en tout cas, Presti n'avait pas hésité eh bien, à faire cet échange. Voilà. Oklahoma City, eh bien, tout simplement, qui perd sûrement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, son deuxième joueur le plus important. Pour moi, ils lâchent leur troisième option offensive, le meilleur sixième homme de la ligue en titre. Eh bien, un joueur qui était capable de dynamiter toutes les secondes d'unité adverse. Avec un jeu en pénétration qui pour moi était le plus efficace de la ligue. Il y a certaines statistiques qui ont été montrées sur James Harden l'année passée, qui avait quasiment le rendement d'un Manu Ginobili des grandes années. On les a souvent comparés dans leur jeu, et c'est logique hein, puisque ce sont deux joueurs gauchers capables à la fois de shooter à 3 points, d'être clutch dans les moments importants, avec un jeu en pénétration qui est très très efficace. En plus, James Harden rajoute cette petite touche de dribbleur, de ball handler, comme on dit aux États-Unis. C'est quelqu'un qui sait aussi gérer le tempo, qui a une très bonne vision du jeu. Donc voilà, la question que je me suis tout de suite posée quand j'ai vu cet échange, c'était pourquoi ne pas garder James Harden jusqu'à la fin de la saison et négocier finalement qu'après la prochaine saison, puisqu'il lui reste un an de contrat. Et ben, je me suis posé la question et j'ai trouvé que quelques arguments. Le premier, c'était pour pas vivre ce qu'avait vécu Denver avec Carmelo Anthony, avec un James Harden faisant la tête tout au long de la saison puisqu'il n'a pas eu son nouveau contrat, boudant un petit peu et brisant un petit peu cette alchimie hein, qui était quasi unique chez Oklahoma City. Voilà, bon, moi j'ai trouvé ça comme argument. Puis l'autre argument aussi, c'était surtout, et eh bien tout simplement de ne pas le voir partir sans contrepartie cet été, signer le max ailleurs, bien que Oklahoma City avait la possibilité de s'aligner sur n'importe quelle offre, puisque Harden avait le statut de restricted free agent, donc même si on lui proposait le max ailleurs, ils auraient pu s'aligner sur le max pour pouvoir le garder. Ils n'étaient pas partis pour le faire apparemment. Voilà, donc c'est ce qui a sûrement provoqué le trade, mais en tout cas, moi je pense qu'ils auraient pu garder Harden encore au moins un an de plus, se laisser encore un petit peu de temps. Mais voilà, mais maintenant c'est pas la politique hein, des general managers de la NBA. Depuis, à mon avis, l'échange de Carmelo Anthony aux Knicks contre les Nuggets, on essaie d'avoir la meilleure contrepartie possible assez rapidement pour ne pas voir le joueur partir sans contrepartie. C'est ce qui est arrivé à Deron Williams aussi à Utah. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Eh bien, tout simplement, bah, vous savez tous que James Harden a re-signé pour le max hein, du côté des Rockets, 80 millions sur 5 ans, ce qui fait 16 millions la saison. Il acquiert ce statut de franchise player. On lui a beaucoup
reprocher de ne pas re-signer avec les Rockets, avec le Thunder. Beaucoup lui sont tombés dessus. Et c'est vrai que sa stratégie est discutable. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir de vouloir gagner plus ailleurs, de vouloir encore plus s'épanouir dans son jeu, d'avoir de nouvelles responsabilités? On ne peut pas lui en vouloir. On peut, à mon avis, plus en vouloir au Thunder de ne pas avoir fait l'effort financier de le garder, de payer la luxury tax une fois pour pouvoir essayer d'accrocher le titre, puisqu'ils en étaient très proches, hein, de ce titre, arrivé en finale l'année passée. Voilà. Et Harden, à mon avis, risque de leur manquer grandement en playoff, notamment dans les moments importants, comme on a vu au début de la chronique, hein, face aux Spurs l'année passée dans le match 5. Pour moi, c'est le shoot qui fait que le Thunder est arrivé en finale NBA l'année passée. Voilà, donc pour moi, ce deal, c'est un deal qui est perdant-perdant. Voilà, perdant-perdant-perdant pour Oklahoma City, puisque il dispose plus de cette force de frappe qui arrivait du banc, et de ce joueur capable de prendre ses responsabilités quand Kevin Durant passait un petit peu au travers, ou Russell Westbrook. Là maintenant, c'est pas Kevin Martin qui va pouvoir faire ça. Voilà. Donc j'aimerais revenir également toujours sur Sam Presti, qui veut toujours également jouer le coup d'après. Le coup d'après avec plusieurs buts. Le premier, c'était un, de préserver l'aspect financier du club dans les années futures. Donc, comme je l'ai dit, de ne pas payer la luxury tax. Deux, de garder le club compétitif après un probable départ d'Harden cet été. Voilà, donc de le garder compétitif avec ces fameux tours de draft, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne la luxury tax, il faut savoir donc que même les Spurs, à un moment, ont été obligés de la payer, puisque c'est un peu le modèle d'Oklahoma City. Les Spurs ont été obligés de la payer à un moment où, quand ils ont fait venir Richard Jefferson de Milwaukee, pensant que ça allait marcher, rajouter une pièce supplémentaire au trio majeur. Finalement, ça n'a pas marché, mais ils ont quand même tenté le coup sur une ou deux saisons, les Spurs, ce que n'a pas fait le Thunder, alors qu'ils sont très proches du titre. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail de ce trade, on va revenir donc sur Kevin Martin, qui arrive donc du côté d'Oklahoma City, qui pour moi est un peu, comme beaucoup l'ont souligné, un shooter unidimensionnel, assez faible en défense, et qui s'est toujours contenté de scorer dans des équipes assez faibles comme Sacramento et Houston. Il va reprendre le rôle de sixième homme d'Harden, avec forcément moins de talent. Il sera utile dans les rencontres où Kevin Durant et Russell Westbrook seront un peu moins bien. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable de créer son shoot. On parle beaucoup de joueurs capables de créer son shoot. Lui, il n'est pas capable. C'est un spot-up shooter, c'est-à-dire que vraiment, il a besoin d'avoir ses positions. Il va mettre dedans, mais il faut pouvoir le décaler et le mettre dans de bonnes positions pour qu'il puisse scorer. Donc voilà. Un bon joueur. Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter? Est-ce qu'il va pouvoir supporter la pression des playoffs, comme a pu le faire Harden la saison passée, même si Harden n'avait pas été très bon en finale NBA? J'en doute. J'en doute. Donc pour moi, l'équipe d'Oklahoma City, elle s'affaiblit, hein, en perdant Harden, en récupérant Martin. Jeremy Lamb, c'est vraiment un pari sur le futur. Un rookie prometteur qui a été drafté en 12e choix par les Rockets. Encore un shooter. Un bon shooter qui avait un petit peu déçu, qui avait été moyen avec UConn, avec Connecticut la saison passée, qui avait été bon la saison d'avant avec Kemba Walker quand ils avaient été champions universitaires. À mon avis, il aurait beaucoup plus progressé en restant chez les Rockets. Bon, là, il va quand même connaître une équipe qui joue le titre. Il aura moins de temps de jeu, il devra se tenir prêt, il va vivre une saison, à mon avis, peut-être pas moins intéressante, mais moins productive au niveau de ses responsabilités. Voilà. Quant aux deux choix de draft, les deux premiers choix de draft qui arrivent pour Oklahoma City, on pense que ça va être des bons picks. Maintenant, Houston n'a pas lâché son choix de draft là-dedans. Donc il leur restera un choix de draft lors de la saison prochaine, si Houston d'aventure fait une saison assez faible, assez mauvaise, mais ça risque quand même d'être des bons choix de draft. Voilà, donc avec le talent qu'a Oklahoma City
pour sentir ses choix de draft, bah, who knows, dans le futur, ils vont peut-être pouvoir encore s'améliorer. Mais c'est encore à moyen, à long terme, pour garder l'équipe compétitive dans le futur. Comme je dis, c'est Sam Presti qui a voulu jouer le coup d'après. Là, bon, ça va les affaiblir vraiment, en tout cas pour cette saison. Houston, que dire de Houston? J'arrive pas trop à cerner la stratégie des Rockets. J'avais cerné au départ une équipe qui était toujours dans le ventre mou, un peu comme les Sixers à l'Est. Et Daryl Morey, le GM, a voulu tout détruire pour repartir de zéro. Ça, j'arrive à cerner cette stratégie-là. Même si, par contre, Amnesty, Louis Scola, j'ai pas trop compris. Pour moi, c'est une grosse erreur de ce qu'il y a eu cet été. Ces trois tours de draft avec des profils un petit peu différents, mais toujours des joueurs un peu à l'aile, Jeremy Lamb, Ross White et Jones. Voilà, beaucoup de cap space pour pouvoir signer un joueur. Donc ils étaient à la recherche de coups cet été. Ils ont fait un coup avec Jeremy Lin. À mon avis, c'est pas forcément une mauvaise chose. Son contrat n'est pas foncièrement scandaleux, même si il avait explosé avec les Knicks sur très peu de matchs. C'est un pari. Le plus gros pari pour moi concerne Omer Asik, qui est vraiment surpayé, même si c'est un excellent défenseur et qu'il est capable de poser des écrans comme on l'a vu pour James Harden. Après, ça fait un peu beaucoup quand on voit ses stats en attaque. Pas de shoot, on fait faute sur lui, il a du mal à marquer au lancer franc. Donc j'ai du mal un petit peu à cerner cette stratégie. C'est très très risqué, c'est des gros paris. Faire venir Harden, ça va forcément augmenter la plus-value de l'équipe. Ils ne se qualifieront pas pour les playoffs. Mais bon, ils récupèrent le meilleur joueur, ils récupèrent leur futur franchise player, comme on l'a vu là déjà sur les trois premiers matchs, notamment les deux premiers qui ont été vraiment exceptionnels de la part de James Harden, avec un record NBA en démarrant avec une nouvelle équipe, claquer le plus de points sur deux matchs, 82 points en deux matchs. Moi, c'est notamment le match à Atlanta qui m'a vraiment impressionné, là, son record de points en carrière. Maintenant, Harden, on a senti tout de suite qu'il a été en sur-régime. Il tiendra pas la saison comme ça. Et autour de lui, c'est quand même encore assez jeune, assez faible, assez friable. Donc, les Rockets devront bien drafter la saison lors de l'été prochain pour pouvoir s'améliorer ou refaire un coup encore avec leur marge financière, même si dans 3 ans avec les fameux contrats un peu pourris qu'ils ont proposé à Lin et Omer Asik, je parle pourri dans le sens où la troisième année est mirobolante à 15 millions de dollars il me semble, ça va faire très mal dans 3 ans. Autre chose, les arrivées plutôt anecdotiques de Dequan Cook, qui est un shooter, notamment on servait de lui dans les corners. Donc là pour le moment il n'a pas été encore trop utilisé du côté des Rockets. Colin Dridge, il s'en sort plutôt pas mal là du côté d'Houston. Il fait quelques bonnes choses en ce début de saison, il rentre en remplacement d'Omer Asik. Il rentre dans la rotation. Alors les Rockets n'ont pas voulu le re-signer tout de suite, ils ont eu raison, ils attendent de voir ce que ça va donner. Mais bon, c'est sûr que c'est un peu le profil bûcheron canadien, à la Bill Wennington pour les plus anciens, ou Greg Ostertag, mais bon, là il dépanne en tout cas, il dépanne. Voilà. Maintenant moi je regrette vraiment un petit peu, à la fois qu'Oklahoma City n'ait pas fait l'effort financier. Il fallait trouver l'équilibre et puis que James Harden n'ait pas lâché quelques millions. On a vu que Durant avait lâché quelques millions, Westbrook également, Ibaka aussi, pour pouvoir re-signer dans ce qu'on appelle entre guillemets la famille Thunder, arriver à ce niveau-là, au niveau professionnel, la famille. Ce concept-là, il devient obsolète. Et ça à cause de l'ego des joueurs. J'aimerais revenir sur l'ego des joueurs. Et pour dire que ne pouvait pas se payer James Harden avec 60 millions par rapport à 55 millions sur 4 ans, je sais pas trop. Voilà, maintenant c'est sûr qu'il re-signe pour le max avec 80 millions sur 5 ans. Bon, on va dire qu'il est vraiment attiré par l'argent, est-ce qu'on peut le blâmer? Je sais pas, en tout cas c'est dommage de la
que les deux parties n'aient pas fait l'effort, quoi. Peut-être un petit peu plus d'effort financier de la part du Thunder, un petit peu moins de prétention pour Harden, voilà. On n'a pas trouvé ce point d'équilibre qui aurait pu faire qu'on gardait l'alchimie du côté de d'Oklahoma City, une alchimie qui est si difficile à trouver pour une équipe prétendante au titre. Hein. On voit bien avec les Lakers, là, l'alchimie, ça va mettre du temps également à se mettre en place. Et ben avec Kevin Martin, ça va être la même chose. Hein. Il va y avoir du temps avant que ça se mette vraiment en place, même si Oklahoma City restera alors une grosse force de frappe dans la conférence Ouest. Et justement, je voulais revenir sur ce statut, cet impact du trade de James Harden. Forcément, ça fait des heureux, à commencer par les Lakers, bien sûr, bien que la situation des Lakers soit pas folichonne en ce moment. Ils ont trop de talent pour pas que ça évolue dans le bon sens et pour peut-être pas les croiser en playoff. Les Lakers dans un premier temps, mais surtout pour moi c'est les Spurs. Le plus gros danger, je pense, cette année au niveau de la conférence Ouest, c'est les Spurs. Ils ont faim, ils veulent faire un dernier coup. Alors chaque année on dit ça, hein, ils ont faim, ils veulent faire un dernier coup. Mais là on les sent vraiment très très bien. Kawhi Leonard, le rookie l'année passée, a une deuxième saison dans les jambes au niveau défensif. Il fait beaucoup beaucoup de bien. Tipeee, Tony Parker a vraiment démarré la saison sur les chapeaux de roue en leader offensif. Ginobili va revenir un petit peu là de sa blessure et voilà, je trouve les Spurs vraiment très complets, capable de battre le Thunder cette année sans James Harden. Justement, pour moi c'est lui qui a fait la différence l'année passée. Et là, sans lui, je pense que les Spurs ont le potentiel, même plus que le potentiel. On l'a vu là sur le match d'ouverture, même s'ils gagnent vraiment à l'arraché, hein, sur le tir au buzzer de Tony Parker, ils ont les moyens de faire chuter Oklahoma City cette année en playoff. Et pour moi, les grands gagnants, c'est les Spurs sur le départ de James Harden. Bien sûr, les Lakers aussi, mais les Lakers, on va voir un petit peu comment ça va se passer, et surtout avec la faiblesse de leur banc. En ce moment, ça c'est un gros souci qu'ils vont devoir régler, qu'ont pas les Spurs de San Antonio. Voilà, pour revenir un petit peu sur ce trade et pour conclure là-dessus, j'ai envie de dire que depuis deux decisions de LeBron James, depuis l'échange de Carmelo Anthony, on n'échange plus les joueurs lors de leur dernière année de contrat. Mais bien un an avant, les general managers ont intégré ça. Il faut échanger le joueur un an avant pour avoir la contrepartie. On ne prend plus de risques pour préserver le futur, les finances du club, etc. Voilà. Ça peut se défendre, hein, ça peut se défendre. Mais quand on est aussi proche du titre comme Oklahoma City, est-ce que ça peut pas se tenter? Voilà, c'est toujours le débat. Le débat se place ici. Voilà, maintenant d'autres aussi ont fait part comme réflexion que James Harden allait dans un plus gros marché et qu'Oklahoma City ne pouvait pas conserver ses joueurs parce qu'ils étaient un petit marché. Pour moi, ce débat n'a pas lieu d'être, dans le sens où Oklahoma City a fait beaucoup de bénéfices. Il me semble qu'ils ont fait 35 millions de dollars de bénéfices la saison passée, de quoi payer la luxury tax pour James Harden. Ouais, voilà, ils ont fait beaucoup de bénéfices et finalement ils font pas l'effort, donc voilà. Bon, j'avoue que je me répète un petit peu, je cherche un peu mes mots, c'est normal. Arrivé à la fin de ma chronique. La dernière chose que je voulais vous dire, hein, c'était qu'il y avait une idée qui vaut ce qu'elle vaut. Vous me direz ce que vous en pensez sur le forum. Cette idée, c'est celle de ne pas inclure les contrats des joueurs draftés par les franchises dans le calcul de la luxury tax. Alors c'est vrai que ça donnerait encore plus d'importance à la draft, et ça aurait permis à Oklahoma City de garder James Harden puisqu'il l'avait il l'avait pas drafté d'ailleurs. Donc là c'est moi qui fais l'erreur, il l'avait pas drafté, il avait été drafté par les Wolves et changer ensuite dans la foulée. Alors en tout cas, l'année de la draft, peut-être l'année où on drafte le joueur, mais en tout cas on l'échange le jour de la draft, peut-être ne pas compter son futur contrat dans la luxury tax, faire une exception
encore une fois, cette exception qui serait, qui servirait, il est vrai, plus les petits marchés que les gros. Voilà. Maintenant, encore une fois, ce débat petit marché, gros marché n'a pas trop lieu d'être. Voilà, écoutez, ma chronique se termine ici. On essaiera de se retrouver un petit peu plus régulièrement, que ce soit dans les bénévoles, que ce soit avec des petites chroniques vidéo comme ceci, au cours de la saison, notamment sur l'actualité. En tout cas, pour moi, il y avait beaucoup à dire sur ce trait de James Harden. Harden qui va donc endosser, comme vous l'avez vu, ses habits de franchise player. Pour moi, il est déjà en sur-régime, ça va être difficile cette saison de conserver un tel niveau, même s'il fera ses statistiques. Les Rockets, pour s'améliorer, devront bien drafter la saison prochaine et devront un petit peu mieux l'entourer. Même si l'attractivité de ce grand marché n'est plus ce qu'elle était, hein, Houston n'arrive plus à attirer les free agents de renom comme pouvait le faire un petit peu Dallas, son voisin texan. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la chronique. À plus sur le forum sur Basket Evolution et sur la BETV. Ciao, ciao, bye bye!